Avec ce 7e DVD de notre série MusicClassroom.com, nous entrons dans le monde des instruments de musique. Classé par famille, chaque instrument vous sera présenté par la façon dont il s'accorde, par sa tessiture, c'est-à-dire toute l'étendue de son registre, par les techniques de jeu qui lui sont propres, et bien évidemment par sa couleur ou son timbre, dont nous écouterons quelques exemples. L'étude des instruments de musique nous ouvre une voie royale vers l'orchestration, c'est-à-dire l'art et la science de mélanger les couleurs instrumentales. Que serait l'orchestre sans cette vaste famille du quatuor à cordes frottées qui déroule pour nous un tapis tout en douceur? Le violon est l'instrument le plus aigu du quatuor à cordes frottées qui comprend le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Il possède 4 cordes accordées en quinte juste et s'écrit en clé de sol à hauteur réelle. Les 4 cordes sont le sol, le ré, le la et le mi. La tessiture, c'est-à-dire l'étendue donc du violon, est assez grande à l'aigu puisqu'elle va du sol, première corde, au Do extrême aigu. La technique du violon semble assez simple. La main droite tient un archet qui va frotter les cordes de l'instrument tenues par la main gauche. La main gauche n'utilise sur la touche du violon que 4 doigts puisque le pouce n'intervient pas. Il existe plusieurs positions de la main, de la première position la plus grave à la 7e position la plus aiguë. Lorsque le violoniste exécute des passages rapides ou difficiles ou chromatiques, il sera plus facile de les faire à l'intérieur d'une même position donc. On peut produire au violon différentes sonorités, telles que par exemple les doubles, triples, quadruples cordes, qui sont de véritables accords à 2, 3 ou 4 sons. Généralement, il est plus aisé de réaliser ces triples cordes ou quadruples cordes sur des intervalles, par exemple, de quinte ou de quarte juste, ou encore de sixte, qui correspondent à l'accord de l'instrument. On peut aussi produire des pizzicati, qui sont des sons très secs, obtenus en pinçant avec les doigts de la main droite les cordes de l'instrument. Ou encore des sons harmoniques, qui sont des sons lumineux aigus, que l'on obtient en effleurant une corde à vide, par exemple, et en faisant passer l'archet délicatement sur la corde. Il y a donc différentes techniques d'archet qui produisent des sonorités différentes. Par exemple, le staccato qui a un son détaché très bref, ou un son lié, c'est-à-dire legato, avec vibrato par exemple. Ou un son de portamento, c'est-à-dire un léger détaché plus appuyé. On peut également jouer sur la touche, c'est-à-dire où l'archet frotte les cordes pratiquement sur la touche, donc à l'opposé du chevalet, ce qui donne un son beaucoup plus doux. Ou alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, exécuter des pizzicati, son très sec, obtenu donc en pinçant les cordes. Le
ou bien encore des trémolos, qui est l'action rapide d'aller-retour de l'archet sur une note et qui crée une sorte de frémissement. L'alto est un instrument un petit peu plus grave que le violon. Il possède également quatre cordes accordées en quinte juste et s'écrit, lui, en clédute troisième ligne à hauteur réelle. Les quatre cordes sont le do, le sol, le ré et le la, qui nous donne en clé de fa cette hauteur, do, sol, ré, la. La tessiture de l'alto est donc plus limitée à l'aigu. C'est un instrument donc un petit peu plus grave, qui va du do première ligne au do ou au mi au-dessus de la portée en clé de sol. La technique de l'alto est à peu près identique à celle du violon. Mais bien sûr, l'instrument est moins virtuose que le violon, car ses dimensions sont plus importantes. Il peut aussi produire des doubles, triples et quadruples cordes, possède 10 positions de la main sur le manche, de la plus grave vers la plus aiguë, et peut produire également des pizzicati et des sons harmoniques comme le violon. Ces techniques d'archet sont les mêmes. Aussi retrouve-t-on par exemple le staccato, son détaché bref, peut également jouer sur legato, c'est-à-dire lié avec vibrato. Ou bien donc un son sur la touche, c'est-à-dire un son plus doux. On peut également produire des trémolos, c'est-à-dire des sons frémissants. Ou bien encore des pizzicato, comme nous l'avons vu pour le violon. Si ce cours vous intéresse, alors poursuivez-le et commandez dès à présent l'ouvrage complet et son DVD sur la page boutique de notre site internet www.musicclassroom.com, chez vous sous 48 heures en port gratuit.